Oye, pide cuál habla. Voilà, on va être franc. J'y vais être avec vous. On n'a rien écrit. On n'y est pas arrivé. On n'a rien à vous présenter. On n'avait pas d'idée. Enfin, si, on avait des idées. Mais vous savez comment les traduire. Pourtant, notre metteur en scène a essayé de nombreuses fois. Alors oui, quand on n'y arrivait pas, il nous faisait recommencer. Mais on a résisté. Parfois même, il s'est énervé, mais impossible. Résultat, on est là, devant vous, sans rien à dire. Quand je vois les scènes des autres, bah oui, il y en a des marrantes. Moi, je voulais faire quelque chose de marrant, mais j'avais pas d'idée. Oui, des scènes avec un début, une fin, on est un peu jalouse. On se dit qu'on est nuls. Pourtant, ça me fait pas les metteurs du théâtre. Dans un grand théâtre comme ça, comme celui-là, bah, ça nous a fait rêver. Ah, c'est vrai, les filles. Ah oui, on a rêvé. On se voyait avec des perruques, des jupes, bah oui, des personnages rigolos. Et des costumes. Des décors, la forêt, la mer. Mais le texte, la mémoire, se rappeler de tout. Bien quand je vois un coup pour pas que tu me dis que tu ne seras pas plus. Oui, quand Marc nous a demandé de parler plus fort, de crier même, de bouger son corps. Bah, il s'est rendu compte qu'on était timide, qu'on était toutes timides. Pire que ça, extrêmement timide. Moi, je suis pas vraiment timide, mais je comprends les timides. Pour moi, être timide, c'est un handicap, mais on peut y arriver. Ah, t'es trop toi. Et comment tu fais? Comment tu fais pour t'approcher du public alors que t'as pu rester dedans? Ne pas avoir de texte à dire, ne pas être regardé dans les yeux. Bah voilà, tu arrives. Oh non, il y a ma mère! Je savais pas que ma mère serait là ce soir, je comprends pas. En plus, elle me regarde, elle me fait des signes. Arrête, maman, tu me fous la honte. Tu dis qu'elle te fout la honte? Une fois, j'ai joué dans un théâtre. Je monte sur scène et je dis bonjour, je suis la princesse. Et là, mon petit neveu dans la salle fait tata, tata. Et à la fin, tout le monde m'avait tata. Il n'y a pas de tata. Ah, ma mère, elle est là, là. Oh, je t'en prie. Mais j'ose pas la regarder. Comment je vais réveiller, voilà. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Je me sens plus à l'aise. Je sais que ma mère me regarde. Et bah, je m'en fiche. Vas-y, maman, regarde-moi et je m'en fiche. Je sais que c'est dur, mais je sens que j'arrive. Tu vas voir, on va tous y arriver. Ça va être super. J'étais heureuse, mais là, je suis encore plus. Presque heureuse. Oui, presque heureuse. Plus tard, dans notre salon,